Bonjour à toutes et à tous, c'est Gravesit et aujourd'hui plusieurs personnes attendaient cette vidéo. C'est la vidéo qui va vous montrer un petit peu les nouvelles compétences de Iggy puisque le personnage a été rework. Comme vous allez le voir, il n'a pas changé vraiment visuellement dans le jeu, c'est plutôt ses compétences qui ont changé visuellement, ses tourelles notamment et quelques animations de sorts. Le personnage est très puissant dans la méta de la V42, c'est un personnage qui a beaucoup de dépush, beaucoup de dégâts. Pas mal de contrôle s'il est équipé avec les bonnes cartes. C'est un personnage que j'ai joué qu'une seule fois, donc je vais peut-être perdre la partie. Je vais peut-être montrer beaucoup de kills, beaucoup de deaths. En plus de ça, je suis contre Mamax Mid et il y a Wards en face, je crois qu'il y a avec son Feng Mao. Donc ça va être assez chaud parce que Mamax il va pas me laisser tranquille, il est en train de record en même temps de l'autre côté. Donc on va essayer de faire au mieux, je vais pas trop m'avancer sur mes compétences et mes capacités avec ce champion. Mais en tout cas, voilà, on va partir sur Iggy Scorch. Donc voici le skin du personnage. Qu'est-ce que j'ai avec lui à montrer? Voilà les skins que tout le monde connaît. Donc il y a celui-là, c'est le nouveau skin en fait, à choper avec. Avec le rang 5, je pense, et sa queue rouge là, bien dégueu. Et donc, je vais prendre le skin, tout simplement celui-ci. Donc voilà, mon petit Iggy, je vais jouer en mid lane. C'est un personnage qui peut se jouer en mid et également en solo lane. C'est un champion qui a beaucoup de dégâts de zone, comme avant. Et donc, on va aller tout de suite directement dans le build du perso. J'ai build le champion en knowledge. Et mort, je pense. Donc death et knowledge. Donc c'est connaissance et mort, je pense, en français. Donc les decks noirs et le deck bleu. Et en first item, on va voir tout de suite que je vais prendre. Je sais pas du tout. Je sais pas du coup sur. Voilà, caster universel. En esprit, c'est quoi? Triangle, là, gain, un shield. Et sinon, régénération de santé à tourelle. Proximité des tourelles. Et là. À proximité des structures, je gagne en vitesse de déplacement. On va jouer ça, à mon avis, c'est pas le mieux. Mais ça va me permettre de rester un petit peu en vie si jamais ma max m'aggro à mort. Donc le premier sort à sélectionner, c'est les tourelles. Donc avant, on était limité à une seule tourelle qu'on pouvait lancer au niveau 1. Dès qu'on relançait une tourelle, ça désactivait la première. Maintenant, on peut lancer directement 4 tourelles. Mais le temps de cooldown pour les poser est passé à 6 secondes, donc c'est beaucoup plus long. Les tourelles ont des PV, donc 200 points de vie, et elles ont une durée également. Donc c'est pas un nombre de dégâts qui les font disparaître, mais plutôt une durée directement. Et je vais être contre Mamax qui lui va jouer au Wizer. On va jouer safe. Hein. Il veut me choper. Je sais comment il joue un peu le petit pote là. Ouais, il va essayer de push. Allez, on l'agresse un peu. J'ai posé ma tourelle. Donc la tourelle, elle tape. Soit les ennemis que je tape. Donc pour que la tourelle fasse des dégâts sur les joueurs, il faut les taper en fait. Il faut leur faire des auto-attaques. Sinon, la tourelle va cibler tout simplement les cibles les plus proches. C'est toute la différence qu'il y a. Avant, la tourelle faisait des dégâts de zone. Maintenant, ce n'est plus du tout le cas. Hop. Je vais essayer de pas bousiller tout mon mana quand même. Donc ça, c'est le deuxième sort que j'ai pris. C'est la grosse vague de feu. Les ennemis qui sont à l'intérieur sont ralentis. Et en plus, ils prennent des dégâts de brûlure sur la durée. La zone a été élargie. Aujourd'hui, maintenant, Iggy n'a plus de compétences qui lui permettent d'avoir, comment dire. Putain, il fait tellement mal cet enfoiré. N'a plus de compétences qui lui permettent d'augmenter sa vitesse de déplacement. Donc faut vraiment que je fasse attention avec ça. Surtout que lui, il a une grosse range. Je sais qu'il veut vraiment me focus. Donc le R que je viens de prendre là, ça augmente tout simplement le dégât de mes tourelles. Donc c'est le premier sort que je vais augmenter maintenant. C'était le troisième à prendre et c'est le premier sort que je vais augmenter. Donc mes tourelles en fait ont des dégâts de compétences sur 6 secondes ajoutés à crachat de feu à la tourelle enflammée. Ok. Donc voilà. J'ai pas trop compris ce que c'était, mais on va voir ensemble ce que ça fait.
voyez aussi la V42, hein, la caméra est plus proche. J'ai plus de mana. Mana. J'aurais dû continuer à push en fait. Hop, c'est pas grave. Allez, je vais poser mes tours. De toute façon, j'ai 1600 PV, points de compétence. Il va falloir que je back pour. Merde, j'ai augmenté mon clic droit. Tant pis. Je suis un peu stressé là, il y a du level en face. Vous voyez ma santé, hein, elle remonte vite. Hein. J'étais mid life, là ça y est, j'ai toute ma vie. J'arrive pas à la stit, j'arrive pas à la stit et je perds trop. Je perds trop de points de cartes. Combien de creeps? J'en ai 11 et ma max lui doit en avoir 20. 17 il a. Mon ulti là maintenant ça va commencer à taper, donc maintenant que j'ai mon ulti je vais monter je pense un petit peu la santé de mes tours. Là, il a des wards déjà. Bon, je back, je vais prendre mes cartes, donc là maintenant je vais prendre des cartes esprit. Faut très très vite que je monte mon esprit, ça va monter mon niveau de mana, mes régénérations de mana et mes dégâts de compétences. La carte esprit en plus elle me donne un shield au début. Et je restaure. Hop, ouais. Quand je quitte le mode de combat, je récupère des pourcentages de vie et de mana. Donc ça c'est très bien aussi. Ça va me donner un peu de sustain. Bon, il a pas réussi à me tuer ma max, on a 5 minutes. C'est plutôt bon signe. Hop. Bon. Récupère mes points de carte, mes points d'XP. À distance, hein, quand vous tuez avec une tourelle. Attention mort. Hop. Je vais retourner mid. J'ai juste protégé la tour. Ouais, mais non, putain. Il est bête. J'ai rien pu faire, j'ai mal joué. Pas grave. Je jouerai mieux la prochaine fois. J'ai remis des points en esprit, je vais essayer de monter l'esprit le plus vite possible, mais là il commence vraiment à prendre l'avance. 31 creep, moi j'en ai combien? J'en ai 14. C'est pas bon du tout. Alors ma max est mort, mais Chelion aussi. En face notre carry là est solo. Le Feng Mao il commence à prendre l'avance. Ouais, limite que je reste avec. Avec. Là, il push ma lane, mais. Ah là là, ouais, il va prendre cher. J'en connais un qui doit rager.
Oh là là. Les dégâts, je me prends une roquette, j'ai plus rien déjà. Qu'est-ce qu'il a comme item? Ah, il a déjà beaucoup trop de choses comparé à moi. Faut que je freeze. Faut que je freeze. Hop. Il va me choper. Il ne m'a pas eu. Je suis mort une fois quand même. Là dans les bois là, j'étais sûr, en plus je le sentais mal. Je savais pas où il était, j'aurais pas dû m'aventurer. Allez, faut que j'en profite, là il a back. Allez, faut que j'augmente la vie de mes tours et après j'augmenterai leurs dégâts. Ah, il s'en est tiré, hein, GG. GG Ward. J'ai plus de mana. Je vais rester un peu sous. J'utilise mes tours. Ah, je back. Je back là, je vais pas mourir pour rien. J'arrive pas à farmer. Je connais pas assez encore les dégâts de d'auto-attaque du champion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Il faut que je prenne ça. Cette carte-là, c'est de la pénétration de compétences et c'est super fort à Ikigi. Et après la pénétration de compétences, je vais partir direct sur la carte qui ralentit avec mes sorts. En train de faire les raptors, je peux pas y aller, je vais attendre. Là ils vont venir là après. Ah, j'ai mis ici mes tours pour au cas où il y a quelqu'un qui arrive par le côté, au moins que ça lui défonce un peu ses points de vie. Mais là, quand ça fait les objectifs, c'est que c'est des games serrés. Hein.
taper un peu. Qui me tape là? Je prenais des dégâts. Il y a quelqu'un dans le coin. Il n'y a plus beaucoup de mana, ma Max. Avec The Lion ici. Voilà. Voilà. Alors on va taper ici. Là, je vais me casser, je vais aller défendre la gauche. Ouais, je vais mettre mon casque si j'ai plus de mana. J'avais plus de mana dans mon casque. Alors là, je vais booster un bonus, donc ça veut dire que là, je vais avoir plus d'expérience, je crois. J'ai pas de ward hein, par contre, c'est vraiment super tendu pour moi de push. Je peux pas aller au camp river. Voilà. Ah, c'est vraiment fort, Guy. Y'a rien à dire. Il est toujours dedans. Hein. Il est toujours dedans. Hop. Ça va durer longtemps cette partie. Je suis à 2-1-2. C'est bon, je commence à rentrer dans le game avec mon Iggy. C'est bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on a comme qui ralentit? Slow mouvement, il faut 4 en endurance et 8. Je vais commencer. Je vais essayer de monter à 8 ici pour avoir le bonus. Et après, je vais monter uniquement le reste. Faudra que j'ai plus de vie après là. J'ai que 1300, je peux très vite mourir hein, quand même. Je peux très très vite mourir. Surtout que j'ai pas de ward. On va faire une chose, on va... Ah là, dommage. Mais après, il a tout mis pour m'avoir et je pense que... Ah si, c'est bon, il va s'en tirer quand même. Faut que j'ai plus de vie. Je vais mettre mes 4 en vie maintenant. J'ai pas assez de vitalité. Bien joué, ma Max. Allez, prends cette tourmie de Tarzan, bien joué. Ah,
ça c'est bien. Par contre, du coup, maintenant il va freeze ma max et je vais avoir du mal à farm. Donc va falloir que je farm dans la jungle ou que je fasse des décalages. C'est assez serré au niveau des kills, je sais pas combien il y a en tout. Je pense qu'ils ont un peu d'avance. Et ça a l'air vraiment serré, hein. Normalement, Iggy est meilleur, je trouve, en solo lane. Il a plus d'impact. Il est très fort en 1v2. Très bien temporisé. Retourner mid. Arrive. Mort et mort. Et on prend les tours. Donc là pour l'instant ça fight, mais ils défendent pas trop leurs objectifs. On a un petit peu d'avance encore là-dessus, mais on est en train de donner quand même pas mal, hein. Peut-être que je devrais supprimer ça pour me prendre le bling. Je vais me le prendre, on sait jamais. Ah, il a déjà ça. Faut que je commence à avoir plus de dégâts quand même. Pas besoin de plus d'une tourelle en fait. Elle reste 30 secondes. Ouais, je pas. Voilà.
Alors, je vais me casser, faut défendre mid. Putain, j'ai mis un point de trop. J'ai mis un point de trop. Je vais faire le prime solo après. Je pourrais bientôt le faire. La carte de bling que j'ai pris, je crois qu'elle ne fonctionne pas quand je me fais toucher. C'est comme l'ancienne carte de téléclignement. Alors je sais pas si Aikiki c'est vraiment OP. Je sais pas où il est. La max. Allez, j'ai des points de carte. Faut vraiment que je termine cette carte de slow là. Je peux pas la finir avec ça. Je vais revendre le blink, tant pis, je vais faire ça. Slow. Et la prochaine, on va faire une qui me donne un peu de vie. Donc là, chaque dégât de compétence que je vais faire va ralentir l'ennemi. Ah merde, GG. Et pour eux. Défendre le mid. J'ai ma carte de slow. Ah, je prends trop de dégâts. Ah, j'avais pas vu Chimera à droite. Bien joué, Chimera. On fasse pareil. Ah non, il va l'avoir. Ah, il l'a pas. Il est con. Oh, c'est con, pourquoi il a pas fini?
Non, là par contre c'est fini. On a l'inhibiteur qui tombe direct. Oh GG. Allez, comment on va réussir à se reprendre ici? Après je suis content, on a plutôt pas mal tenu. Je suis pas trop mort, 3-3. La carte que j'ai pris là, plutôt une carte d'early. Ça smite une créature ennemie et ça la convertit en gold en fait et en XP supplémentaire. Assez fort. On n'a pas de ward. Il me faut vraiment 8. À 8 de gold, je pourrais faire quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est trop puissant, Iggy, t'as vu le slow? C'est trop puissant. Et là, ça va être encore plus puissant. Et dernière carte, à la place de la pénétration, je pense que je vais prendre... Enfin, même là, je suis full stuff, en fait, je pense. Faire énormément de dégâts. Maintenant, je vais monter jusqu'à avoir mon dernier slot. La ward, il est en mode, j'invite tout le monde. Ah ouais, non, il s'en fout, là. Il faut qu'on l'aide. Il est mort. Il va aller à droite. Bah, voir si jamais y a personne qui doit mourir. Moi je vais défendre la mid en fait. On n'a pas d'inhib donc faut vraiment pas que les gros creep push. Mais là avec mes dégâts maintenant... En fait moi je suis vraiment le défenseur. Je pourrais être le split pusher mais j'ai pu... Avant en fait Iggy pouvait bien split push parce qu'il avait un sort qui permettait de se déplacer vite. Et donc de contrer un petit peu les
des attaques ennemies, on va dire. Merde. Maintenant que c'est plus le cas, vous l'utilisez en défense et vous prenez un speed pusher. Là, en fait, on a une très bonne compo. Wukong, c'est parfait pour speed push. Et moi, mon Iggy défend les tours, donc... Viens vers moi, Sparrow. Back, back, back. Voilà, avec les vagues de creep, mais les... on se fait des golds à mort. Je suis niveau 20, ça y est, avec mon Iggy, niveau max. Je commence à avoir un peu de santé. Ah là, merde, je suis mort. Allez, faut focus la Sparrow, 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 Sparrow. Allez, vas-y, Wukong. Oui. GG. Ah, il aurait dû y aller, Wukong, c'est dommage. On va la gagner, cette partie. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme carte? J'ai la gemme de stase, j'ai le baillonnement. Baillonnement, silence target pendant 3 secondes, c'est vrai que c'est fort quand même. 14 en dégâts, et ça c'est 25 en dégâts. Reduce les... ouais, je vais prendre ça. Ok, d'accord. 4 et 8, je peux la prendre maintenant. Voilà, nickel. Maintenant je suis full stuff. Quoique, non. Ouais, faut finir. Je vais à droite. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'était compliqué, je suis pas mort beaucoup quand même. Hein. Dans cette game, je suis plutôt content. Après, c'est vraiment un perso de lâche, Iggy. Là, on peut pas dire le contraire. C'est inactivable, d'accord, la réduction d'armure quand même. Presque 3000 PV, hein.
Enfin, ce slow, sur l'ulti, le slow, il est infâme. Mais vraiment. Je me casse. Oh la vache, les dégâts! Words! Bien femme! C'est le bait là, barrez-vous! Oh là 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 là, on va tous crever! Heureusement qu'on a les deux tours. Hein. Là, ils auraient pu. Ça aurait pu être la game. Hein. Ils tiennent bien quand même, les enfoirés. C'est vrai qu'on n'a pas de tank dans notre compo. C'est peut-être ce qui manque en fait. À la place d'avoir un assassin avec Kalari, on aurait eu un Rampage ou quelque chose qui tank un peu plus. Hein. Pas mourir maintenant là. Je reviens dans combien de temps moi? Seconde. Et défendez le mid. Moi je vais rien faire là. Ouais d'accord. C'est bon. Je vais aller push à droite. Il va se faire prendre en 1v1 lui, hein, donc faut pas qu'il fasse le fou. Sparrow c'est vraiment un personnage qui est surpuissant en fin de partie, donc ça se déplace super vite, ça tape super fort. Je vais mettre Ward le Prime, mais personne n'a de Ward. Faut pas se fier à cette game pour se dire ouais, il y aura plus jamais de Ward sur le jeu, etc. Normalement, quand c'est des games où c'est vraiment serré en termes de matchmaking, il y a toujours des mecs qui prennent des Wards. Ne vous dites pas que c'est fini les Wards sur Paragon, c'est faux. Hein. Il y a des Wards, il y a même des items qui permettent de révéler tous les individus ennemis de la map pendant 6 secondes. Un espèce d'ulti Kalari mais qui fonctionne sur sur la map. Attention là-bas, ça pue Tarzan. Comment ça bien? Enfin, je bloque un peu leur avancée.
quoi ce délire. Pas compris ce que c'était ce délire de sa vie là. Et son lifestyle qui faisait ça, c'était abusé. Bon, on l'a tué hein, mais ah la vache. Lifestyle de fou quoi. Voilà, c'est terminé. Bon bah Iggy, c'est très fort. Voilà. Voilà cette petite game avec Iggy, il est 23h40. J'avais donc dans mon équipe Ben et Ed, celui qui fait les vidéos là en anglais qui est super cool. J'avais Mort, j'avais Tarzan 119 et Dr. Yu Jasol et on était contre Wards, Wayner, Karma. Mamax 49 et Exolia The Lion. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le nouveau Iggy et c'est OP859 en mid lane contre Mamax. Bien joué Mamax, bien joué Wards. C'était une game serrée et intéressante. A plus, ciao.